Bonjour à tous, c'est Fonto et aujourd'hui on se retrouve. Alors tout simplement je vais re-upload une vidéo mythique de Nantia, la vidéo la plus mythique de Nantia. Bon, c'est la vidéo de Necro, voilà, vraiment un gros youtubeur qui travaille énormément sur ses vidéos. Bon par contre, la vidéo on a vraiment l'impression il a des problèmes d'articulation, voilà, on a l'impression qu'il bégaye en accéléré, c'est assez bizarre. Mais en tout cas elle est quand même potable à voir, bonne vidéo. Bon, mec, faut juste savoir si t'es prêt, hein, tu vois. On va se faire un petit bêtisier, mec. T'es prêt? Vas-y, 3, 2, 1, go. Vas-y. Bonjour! Alors, salut les amis, c'est une YouTube et... Ben, parle, je sais pas, tu... Non? Ah, mais je pensais que t'allais dire mon pseudo, ouais, c'est Saifis, voilà. Alors, on a eu l'idée de faire notre chaîne à deux, parce que moi, j'en avais un peu marre d'être tout seul, voilà, c'est cool. Aujourd'hui, on est là pour présenter un petit serveur faction qui s'appelle Nantia, qui est franchement pas mal. Et au moment où je vous parle, là, ils vont faire gagner un petit grade noble, je pense. Ils vont faire gagner un petit grade parce qu'on est 25-26. Bon, d'habitude, c'est qu'on est 40, mais là, il y a quelques problèmes avec le serveur. Donc, oh, voilà. Quand même, on n'est pas vraiment 40. Ouais, parfois, si. Enfin, le record, c'est que 75. Mec, avec les bots, ça fait 200. Avec les bots. En tout cas, ça, c'était la dernière fois. Bon. Aujourd'hui, on va présenter Nantia. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est Nantia? C'est un serveur PVP faction. Je sais, j'arrête de zoomer. C'est un serveur PVP faction où on a plein de grades. C'est super bien codé. Voilà. Le staff est super cool. Et en plus, les recrutements sont on. Alors là, on va vous présenter le classement des factions parce que c'est un peu le but. Alors nous, on est troisième, on est la Papy Tog. Regardez, je marque CC. Non, pas ici. Non, ici, le bloc de fer là, Papy Tog. Voilà. Là, je suis sur le tour de la White Skull. Bon, eux, ils dominent le serveur. Et en bas, la JP Perno qui nous ont rattrapés. Voilà. Ouais, ils nous ont dépassés aujourd'hui. Voilà. Et il y a pas. Mais de toute façon, ils ont des. Ils ont plein de farms. Ouais, bon. Alors nous, pourquoi on fait cette vidéo? C'est un peu pour avoir le grade de youtubeur aussi, parce qu'on aime bien Nantia et qu'on en fera pas mal des vidéos. L'event commence bientôt, voilà, il y a bientôt un event grade, donc il y a des events beaucoup souvent, ça va dire. Très souvent. Alors on a le quiz tous les jours à 18h où on doit marquer slash réponse et le quiz. Parce que... regarde, c'est quoi tu fais slash pouvoir tout. Voilà, slash event. Là on a le totem à 13h tous les jours. Le Destroy the Core, c'est pas mal, c'est une fois par semaine. Le Nunchess, c'est tous les jours, plusieurs fois parfois. Où t'as un coffre qui apparaît aléatoirement dans la map. En tout cas, à peu près vers la Warzone. L'Event Mob, une fois par semaine. Le KOTH, bon ça, vous connaissez. Le Loto, où on fait slash Loto Buy et on peut acheter un ticket de Loto pour gagner pas mal d'argent. Le Airdrop, alors... qu'est-ce que c'est le Airdrop? C'est... dans la Warzone, il y a plein de coffres qui sont loot et on a pas mal de loot. Voilà. Réaction, alors c'est tous les jours à partir de 25 connectés. Alors là, on va passer au slash info, c'est le plus important. On a slash rec qui permet de voir les recs que je ferai après. Slash RTB pour se téléporter aléatoirement dans la map. Le slash quête pour voir les quêtes, ça aussi je vous présenterai. Ouais, slash dégâts parce qu'on a des œufs de creep. Pour péter les bass claims, aussi la comment ça s'appelle la ah j'oublie l'opsi le slash don pour faire des dons et tous les vendredis il loot tout ce qu'on a fait comme don. Le slash prime par exemple, slash prime safeis 500, voilà, par exemple, du coup il y aura une prime sur sa tête et les gens vont essayer d'aller le tuer. On a le slash ping pour voir. Non, c'est bon, je l'ai pas fait. Ben, si, on, ça marque dans tout le chat. Hein. Slash ping pour voir VMS. Slash event que j'ai fait. Slash A. Bon, ça, c'est basique. Le slash A, c'est tout ce que les joueurs vendent. Voilà, et même aussi les responsables qui vendent. Et le slash classement pour voir le classement des factions. Ou slash F top, tout simplement. Et nous, on est ici, troisième, la Papy Tog. Allez, là, il fait gagner un petit grain de noble, alors... voilà, là il y a un tirage au sort, on dit GL, on est sympa. Si je le regagne, je le passe. Ah putain, mais c'est que les nouveaux qui vont avoir aussi. Voilà. Non, mais après tu t'en fous, ça fait des nouveaux. Voilà. Ouais, des nouveaux en plus.
Voilà, ça fait des nouvelles pistes. Il vient tout juste de rejoindre, alors. Ah, bah là, il y a Joujou qui vient de me dire bonjour, salut. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? On a le slash quête. Alors, le slash quête, il est bien fait. On a les quêtes fermiers, voilà, c'est des trucs basiques. On a la membre active, celle que je suis en train de faire. Plus que 6 heures sur le serveur. Et enfin, j'ai cette quête remplie. AFK, anti-FK on, regarde, je fais slash règle. Anti-FK on, soyez respectueux envers le staff et d'autres joueurs, sinon ça mute. Pas plus de 2 claims par ligne d'AP par faction. Trahison on, ça c'est un peu la spécialité, parce que trahison normalement c'est pas on. Arnaque off, en gros, si tu vends un truc à 2000 et que tu le passes pas, bah, tu peux te faire ban ou t'es obligé de rembourser. Use bug interdit sauf pour les pillages, par exemple le use bug bateau. Double compte interdit, ça c'est important. Trap on et anti-FK on, donc les traps TP kill, voilà, c'est on. Au maximum, pas plus de 3 alliés et 12 membres par faction, c'est pas mal. Ne pas cheat, c'est-à-dire que les modes visant à améliorer le mode de jeu comme NoKB, comme c'est marqué, ils sont interdits. Par exemple, moi je fly, et ben c'est ban 7 jours. Bientôt ils vont passer à 1 mois, je pense, il faut voir avec le Fonda. Alors le Fonda c'est Nightwear. Ucotic, ouais, il est ça va. Ucotic, on a Aizen, Cubat, c'est le staff, ils sont beaucoup plus. Et après on a les grades. Alors on a le slash boutique. Qu'est-ce que c'est que le slash boutique? On a d'abord tous les kits à acheter avec de l'argent dans le jeu. Mais on peut aller aussi sur le site pour acheter des grades avec de l'argent IRL. Dedipass, PayPal, tout ce que vous voulez. Non mec, arrête d'acheter, arrête. Là on a les grades qu'on peut aussi marquer. Alors là on a les préfixes. En gros, moi je suis baron. On peut avoir roi aussi, seigneur, empereur. Par exemple, empereur c'est le meilleur. On peut avoir plein de trucs comme les couleurs dans le chat, ça c'est vraiment pas mal. Là on a un non chest. Il y a un coffre loot aléatoire, j'y vais. Non, on n'y va pas, on finit de présenter, mec. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Slash boutique aussi, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on a aussi le slash shop. Le slash shop, c'est... Par exemple, imaginons, on fait une farm à cactus. Je vous présenterai dans une autre vidéo si on a le grade youtubeur. Qu'est-ce que c'est la farm à cactus? Ben, c'est une farm cactus automatique, par exemple. Et ben, on peut les vendre et donc gagner masse argent. Pareil pour les drops, nanania. Il y a même des pioches et Fortune 5. Et des seal touch pour le PT spawner. On a des commandes aussi. On a des spawners, des minerais et des blocs basiques. Par exemple, j'ai de la glace parce que j'ai un biome glace. On a les kits. Alors, les kits, on a kit ancien, bouffe, clé. Ça, c'est les basiques. Et après, tu peux en acheter d'autres dans le slash boutique. Voilà. Je sais pas qu'est-ce que tu fais, ça fils. Qu'est-ce que j'ai pas fini de présenter? Le beau spawn. Le très beau spawn. Très. Wow, j'ai quelques pertes de FPS. Le très beau spawn, très 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 bien fait. Par exemple, moi, vous voyez qu'ici, j'ai du P4, des œufs de creep, etc. Qu'est-ce que j'ai aussi? On a les hommes. On a droit à 2 par joueur, 3 à partir du noble et après au-dessus. On a les sorties, la très belle Warzone, que je vous montre dans une autre vidéo, peut-être. Belle Warzone, elle est pas mal. Ici, là-bas, on a ça, ouais, voilà. Elle est très grande. Hein. Les commandes slash info. Là, c'est quoi ça? Ça, c'est la poubelle. Je sais pas ce que c'est. Ça faut que je vois ça. Qu'est-ce que j'avais à présenter aussi? Slash info. Qu'est-ce que j'ai à présenter? Slash dégâts. Bon, slash dégâts, c'est pas. Ah, c'est l'obsidienne. C'est 15 coups de TNT creeper et tu prends une patate crue. Et voilà. C'est très chelou. Ah oui, slash don. Vu que je suis sympa. Donc je vous invite, je mettrai l'IP et tout, etc. Et à la fin de la vidéo, donc à peu près maintenant, par exemple, là tu vois, faites un don au joueur. Voilà. Je vais mettre 3 stacks de paquets d'ice. Wow, 7 non-coins, ça équivaut à peu près 5 euros. Mais en ce moment, il y a une réduction d'un slash shop. Donc 5 non-coins, c'est à peu près... C'est pas mal, hein. Voilà, c'est voilà.
Voilà. Donc, on peut les gagner ou pas. Moi, je m'en fous. Personnellement, voilà, on est là pour le jeu. Tout simplement, on est là pour s'amuser. On a le site, le TeamSpeak, et on a... vite fait, je vous présente vite fait le Discord. Si mon Discord veut bien. Ouais. Clique ici, Discord. Voilà. Ici, c'est Discord bien fait. Là, on retourne sur mon serveur, Discord. C'est moi qui ai tout codé. Bon, si vous voulez rejoindre, je vous mettrai l'IP. J'ai un abonnement de 5€ et vient le dire écotique. Voilà, 5€ à peu près. Donc il y a beaucoup d'events, le staff est beaucoup présent. Par exemple, les horaires, les mieux, genre c'est les premiers modos de chat, ils se couchent genre vers 6h, 7h du mat. Et ils se couchent, je sais pas, genre vers 24h, je sais pas, faut voir. Voilà, comme tu dis, on tourne pour présenter ces serveurs. On a les commandes du slash F, help, pour rename, etc. Bon, ça vous verrez en jeu. Voilà, vous verrez en jeu, etc. Kick mode. Chat, slash F chat, c'est pour parler. On peut changer de chat aussi, par exemple là, voilà, tu vois, je marque la faction. Là, on va marquer dans le chat alliance, voilà. Parce qu'on peut avoir des alliés et des ennemis aussi pour les bases. C'est un PvP faction très basique, mais super bien. On a la monnaie, la faction, les connectés. Et je pense que j'ai tout présenté. On a des items spéciaux. On a les différents warp, on a le warp end box où on a des box aussi. Le warp OTH, warp mob, ça c'est pour les différents events. La zone d'échange, c'est pour les PNJ. Et la zone d'enchant, c'est là où on peut s'enchanter, qui est là-bas. Voilà, on peut s'enchanter, faire du stuff. Bon, moi j'ai ma SP4, hein. je vais pas me le cacher, mais... Et à part ça, ben, qu'est-ce qu'on a à dire? Franchement, je vois pas. C'est un PvP faction, c'est... Il est bien, c'est la V4, voilà, non c'est la V4, je suis là depuis la V2, donc 30 coups c'est non-cons, voilà. Je pense qu'on va arrêter la vidéo là, et Selfie, si tu as un petit mot à dire, voilà, je te laisse parce que tu n'as pas parlé de la vidéo. Tu n'as rien à dire, même pas au revoir. Respecte-les tes abonnés. Je suis pas à l'aise. Ouais, on sait tous que t'es pas à l'aise. Mec. Bon, et ben écoutez, moi je vous laisse et je vous souhaite une très bonne fin de vidéo et je vous dis, regardez ce beau chat, voilà, et moi je vous dis, allez, tchuss tout le monde, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager et on rush les 150 vues pour le grade YouTube et pour faire masse vidéo. Et likez si vous aimez la vidéo, on vous oblige pas. Ouais, oui, bon allez, bye.